Nous avons un mot spécial pour les gens qui sont victimes, qui ont un business, qui sont crasés. Si les gens qui font 2 mois, qui ne sont pas capables d'aller à l'école, nous avons une pensée spéciale pour eux. D'ailleurs, c'est pour eux la bataille. Nous avons une pensée spéciale pour les gens qui ont massacré dans la Saline, les gens qui ont massacré Mariani, Kafoufei, Berlin, Tokyo. Mais c'est dans nos gens qui ont continué la bataille. Aujourd'hui, nous avons redit encore. La bataille, nous, c'est pour une bataille pour nous chercher un job. Nous n'avons pas de folie pour voir. La bataille pour nous craser un système qui s'est maillé misère dans tout le pays. Un système qui mettait jeunes sous côté. Un système qui mettait paysans dehors. Un système qui mettait diaspora dehors. La bataille pour nous craser ce système ça. Pour nous construire un autre État qui est capable de porter bonheur pour tout le peuple haïtien. C'est ça notre combat. Aujourd'hui, nous voulons parler avec Américains. Pour nous dire, yo, bataille nous, an, c'est pour une bataille de job. Parole, question. Il a demandé nous, pour nous chita avec Jovenel Moïse, pour nous faire gouvernement, pour nous prendre job ministre, job premier ministre, pour nous aller dans l'élection. Nous disons, bagay sa yo, pas de place, l'inacceptable. Nous ne pouvons jamais faire ça. Nous ne pouvons pas traverser le cadavre, frère, seigneur, qui tombe dans la bataille là, pour nous négocier job. Jodi ya, Américains yo dwe comprendre. C'est tout peuple haïtien qui mande Jovenel Moïse démissionner. Jeunes yo, femmes yo, paysans, quartier populaire, tout le monde mande Jovenel Moïse démissionner. Jodi ya, artistes yo, professionnels, religieux, diaspora, tout le monde mande Jovenel Moïse démissionner. Jovenel Moïse pas gagné support. Peuple haïtien, l'inacceptable sur le plan moral, l'inacceptable sur le plan politique pour Américains continuer à supporter un président qui est impliqué dans la corruption, un président qui est impliqué dans la violation des droits de l'homme. Le combat ne va pas s'arrêter en chemin. Nous ne pouvons pas camper dans la route. Nous demandons aux Américains pour accepter de rejoindre le peuple là dans la bataille là pour changer les conditions de la ville. Je dis à l'éclair. Nous pourrons aller dans la transition. Seul choix qui s'impose pour la communauté internationale, c'est aider nous dans l'alternative là. Aider les peuples haïtiens à faire une transition pour nous réussir la transition. Parce que Jovenel Moïse, pas jamais qu'à gouverner le pays. Jovenel Moïse, pas jamais qu'à faire élection dans le pays. Jovenel Moïse, pas jamais qu'à rétablir l'ordre dans le pays. Depuis Jovenel Moïse là, le pays a toujours été où on boucle du fait parce que le peuple n'a pas appelé Jovenel Moïse. Je dis, seul choix. Pour blanc fait, pour américain au fait, c'est choisi. Viens joindre nous dans la bataille là, pour nous faire une bonne transition, pour nous craser le système là, pour nous changer la constitution, pour nous faire conférence nationale, pour nous faire procès Petro-Caribé, pour nous construire un bel pays pour tout le monde. Côté haïtien, à suspendre, prendre à suspendre parti, à passer misère dans Chili, dans le Brésil, à suspendre prendre pour y aller mourir dans la mer aux États-Unis. C'est ça notre combat. Le message est clair. Nous n'avons pas de problème personnel avec personne, mais conviction nous, nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas bailler le gain dans la bataille. Nous sommes opposition grand monde, une opposition qui a autorité, une opposition qui a maturité. Nous ne pouvons pas rester avec personne, nous ne pouvons pas prendre l'ordre dans mes personnes dans la bataille jusqu'à la dernière cartouche pour faire triompher les revendications. Nous avons invité en rencontre avant. Moi, je suis dans la manifestation, hein, nous ne connaissons pas l'agenda rencontre. Ça veut dire, pour nous, si on invite nous rencontre, nous ne connaissons pas l'agenda, c'est comme si on ne pas invité dans la rencontre. Mais de toute façon, le message est clair. Si les Américains comprennent, ils viennent demander nous à négocier à Jovenel Moïse, c'est tant qu'ils ont perdu, ils n'ont pas besoin de tourner encore, quitter nous mener un combat, nous, mais nous souhaitons rejoindre le peuple là dans la bataille là, pour changer les conditions de la ville, pour construire l'autre pays pour tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre l'ordre, nous ne pouvons pas prendre instruction à même personne, nous ne pas en opposition rester avec, nous ne pouvons pas rester à personne. Bonne nouvelle date pour la manifestation. D'ici demain matin, nous avons une réunion pour nous faire, pour nous évaluer et puis pour nous annoncer l'autre initiative que nous avons pour nous prendre. Mais ça, pour le peuple, qu'on est, le combat continue. Bataille là a continué, déclaration Maître André Michel Yon, dirigeant opposition qui fait connaître enfin encore dialogue là pas possible avec président Jovenel Moïse li quoi ouais pas ouais qui doit quitter pays pour permettre pays
développé. Sénateur Sorel Jacinthe, bon côté pas, invité pays États-Unis, qui d'après lui a supporté Jovenel Moïse, vin bataille dans camp. Peuple haïtien qui déjà senti au bouquet avec équipe tête caléa, a estimé qui par jamais prend aucune disposition pour soulager misère population. Cela puis loin ma dépopulation pour continuer kembe flambeau mobilisation proposition par un gouvernement union nationale faut que Jovenel Moïse quitte pouvoir d'après sénateur Sorel Jacinthe qui c'est un ancien proche pouvoir l'idée dans micro régional de Jodia nous vini devant ambassade américaine pour nous dire ambassadeur Sisson pour nous dire dirigeant américain pour nous dire peuple américain qui sont peuple moral. Aidez-nous rêver pour nous suspendre, pour jeunes suspendre, voyager sous la mer pour requin manger. Que ce soit écolier, que ce soit universitaire, que ce soit cadre nous, yo obligé parti, passer, yo pas qu'à rêver pour un avenir meilleur. Nous dit peuple américain, nous-mêmes, on a opposition plurielle là, nous entendons, que ce soit secteur étudiant, quel que soit côté dans secteur entité que l'appartenu à lui-même, non, il dit que vous parlez Jovenel. Parce que Jovenel représentait la corruption, Jovenel représentait un assassin qui a fait massacre, quel que soit côté là, et je dis à nous dire, après entendre ça, aidez-nous, suspendre, supporter Jovenel pour nous capables d'appliquer entente à Comariote là, qui c'est un. Le président qui a sorti dans la cour de cassation. Dans plusieurs autres villes pendant la période locale, semaine passée à plusieurs collèges à lycées dans Port-de-Paix levé, badi journée avec matière fécale, élèves dans la ville là, t'es manifesté et longé d'ouette sous opposition dans pratique ça, y a demandé pour activité l'école yo reprenne. Plateforme plaidoyer pour yon développement alternatif PAPDA qualifié de décision la honte position qui prend pour Aliel bon côté 14 autres pays qui interdit 30 autorités vénézuéliennes non seulement traverser frontières mais tout fait transaction bancaire sous territoire la Caïo décision ça après à travers une résolution dans cadre d'une rencontre 3 décembre qui s'est passé hein, genre un traité interaméricain assistance là exiger ça montrer à clair comment président Jovenel Moïse continuer à traiter ou à traîner dignité peuple là dans la boue. Camille Chalmers, ou est en cours, yon koute pon yan, do président République Lambay, ak révolution bolivarienne, nan, sa ki paraît dépamant ak de l'histoire pays d'Haïti, qui était toujours campé bon côté, peuple kap bataille pour défendre dignité yo. Mon portage, Jean-Paul Lundi. Nous dénoncer, encore une fois, geste la honte que gouvernement Jovenel Moïse fait, le signé résolution ça, dans le cas d'application TIA, traité interaméricain d'assistance réciproque. Camille Chalmers, pas de printemps pour réagir. C'est un coup, c'est un godet TV20, dirigeant PAPDA arrêté pour le prendre, tellement le saisi. Les refusés quoi? Régime tête calée deuxième version, décidé, interdit président vénézuélien Nicolas Maduro, franchi frontière pays d'Haïti. Économiste n'a pas joué de mot pour le qualifier, vote ça à pays d'Haïti, fait contre Venezuela, à travers Tiare, c'est un acte malhonnête. C'est comme ça qu'à Michel Meurs, qui permet de glon en bouche li, interpréter. Nous dénoncer geste Jovenel Moïse, son coup de poing en dos, les libérer révolution bolivarienne, et il continuer avec même mouvement la honte ça, côté la sale figure paysan, la sale réputation Haïti. Dirigeant politique l'a dit le regrette, action diplomatique ça, a diminué piplis, réputation pays des salines là. Capoter Nicolas Maduro sous pouvoir, c'est un objectif États-Unis voulaient réaliser. C'est pour ça qu'ils cherchaient appui diplomatique. Certains pays, parmi eux, Haïti. Car Michel Mess dénonçait, saluer les agressions, République bolivarienne, pas suspensible. Et je dis,
et Venezuela subi une agression criminelle côté qui a fait toute qualité bagarre pour chavirer un gouvernement populaire, un gouvernement légitime et un gouvernement qui a bataille pour peuple. Exécutif haïtien agit comme si Haïti pas besoin encore si pour Venezuela. Alte mondialis la croix, zak trahison sa yo, pas prêté sans conséquences. Bagay sa ka gen des conséquences moyen terme, long terme très graves parce que projet libération, projet émancipation à construire, a besoin de collaboration tout peuple kap bataille. Haïti toujours soutenu peuple kap lite pour liberté yo, ak droit pour yo agir en grand monde, se rappel sa économiste la gauche la fait. Venezuela, d'après sa le souligné, doit capable compter sous solidarité peuple haïtien. Et je dis à l'éclair que faut que peuple haïtien campé à côté révolution cubaine, faut que peuple haïtien campé à côté révolution bolivarienne qui représente l'espoir pour demain meilleur. Pour tout peuple sur la terre et qui opposait une résistance admirable à domination impérialiste. Tonton Sam, c'est lui-même seulement qui bénéficiait traité ça. D'après Camille Chalmers, traité ça consacré domination militaire américaine sous divers types pays. Les profiter fait un rappel historique. C'est un accord morné, un accord qui consacre domination l'armée américaine sur tout le continent et un accord que même les États-Unis pas respecté puisque l'Angleterre débarquer avec ZAM pour y prendre Malouine, États-Unis pas jamais fait rien pour défendre l'Argentine. J'avais dit même lui ne pas respecter, pas comprendre comment faire parler de encore comme ça. Camille Chalmers profite occasion pour critiquer Jovenel Moïse. Pour opposant, vote ça pas digne de un chef l'État haïtien. Ça justifie détermination citoyen qui a demandé pour Jovenel Moïse. Tu la colle notre tête pouvoir. Geste Jovenel Moïse là, encore une fois, il renforcer et il justifier demande et revendication que tout peuple haïtien fait. Pour démission Jovenel Moïse. Il est clair qu'un président comme ça, qui a traîné figure pays dans la boue, n'est pas digne pour diriger le pays d'Haïti. N'a pas rappelé, Jovenel Moïse te bat bravo la contentement pour tête Nicolas Maduro, te remporté yon l'autre fois encore élection yon dans le pays Venezuela. Numéro 1 palais national la te même bravo pour rendre ni dans la capitale Venezuela, côté le Techita palais acto Kaili. Sans pile moun patatan, Jovenel Moïse, malgré divers secteurs contestés victoire dans l'élection présidentielle 2016, il fait un véritable coup de guidon. Il range le bon côté Washington contre Venezuela, un pays qui permet à Haïti bénéficier pendant plusieurs années programme Petro-Caribé. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Division de mi-temps, Fédération nationale magistrat haïtien, au FENAM, n'a l'être tout l'ouvri, groupe magistrat qui présentait comme proche opposition à adresser à président Fédération Jude-Édouard Pierre. Et lui, a renouvelé appel lui pour demander président Jovenel Moïse pour remettre démission. La cause n'est pas qu'un contrôle pays à magistrat. Dans la correspondance, ça, t'es voulu attirer attention, magistrat Kafouan, sous décision, dit exécutif là, prend pour mettre sous côté considéré dernier projet assainissement qui bat à travers pays pas touché commune y a dirigé yo c'est un régime dictature qui voulait instaurer dans pays a et qui par épanier collectivité yo leur yo considéré projet toute mairie sa yo bloqué dans niveau pouvoir central là magistrat sa yo qui représentait 24 communes mandé Jude Édouard Pierre pour camper sous démarche li engagé pour chercher solidarité l'autre commune yo à commune qui pas recevoir qui choyo pendant yo di yo apprécié j'ai ça de estimer dans correspondance sa population yo représenté a mérité plus que ça sous possibilité pour exécutif là ta renvoyer yo renvoyer Katel qui était élu après mandat yo rivé dans boutio dans mois juin qui a venu là magistrat yo montré yo pas aucune inquiétude comme moun population la caillou te ba yo mandat pour représenter yo yo pas négocier prolongation mandat yo fort président Jovenel Moïse quitté pays selon élu Sayo qui fait partie d'un groupe 44 magistrats qui soutient dans 38 communes 24 là-dedans ces magistrats principal tant que Gonaïve Croix des Bouquets AKE côté au fait qu'on ait pouvoir frapper yo fort pour position yo et parmi moun qui sien correspondance ça pour magistrat opposition yo correspondance qui a le jeune président Fédération nationale magistrat et haïtien Jude Édouard Pierre, parmi moun qui sien, lettre ça, nous joignent Nel La Tortue pour Gonaïve, Marie-André Ruth Télus, Mérès, commune Sodo. Donc voilà pour notre ça que groupe magistrat ça a signé pour attirer attention FENAM, c'est ça, sous
question ça à côté gagné une série de mairies qui ont même gagné activité au bloqué au niveau ministère intérieur ou bien au niveau pouvoir central là à cause de position politique yo. Nous on pral parler avec maître Michel Jacques qui lui même gagné librairie li qui boulé pendant un week-end là c'est un citoyen qui présentait tête li comme un chef bandit qui était relé pour demander l'argent et puis fait le menace que la pas boulé librairie et ça a fait rapidement donc côté librairie ça li boulé. On pral parler avec maître Michel Jacques qui lui même en direct avec nous. Cher maître, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour guerrier, bonjour guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour tout auditeur, auditrice qui est toujours à côté belle vitrine nous et ou même qui toujours à encourager tout jeune, tout le monde qui s'apprête à faire tout au moins un bien dans le pays. Oui, expliquez-nous non, ça qui passait, ça qui arrivait, librairie, ça que madame ou a pas dirigé. Oui, moi-même, moi c'est Jacques Michel, moi c'est avocat du barreau de Port-au-Prince. Alors, m'a profité de ce bel tribunal, hein, tout auditeur, toute auditrice et client qui sont habitués à acheter la librairie Dieu de l'amitié, belle somme qui était investi Maril, l'autre en a fait container Miami, qui pas jamais sorti, l'homme de pas jamais dormi, l'homme de qui côté yo, yo tout photo de dal, yo tout moi spam, yo tout New York, c'est moi qui a fait transfert, qui a fait ceci, et tout dans même qui Canada, qui a pris New York, Canada, librairie Dieu de l'amitié pour les. Comment librairie Dieu de l'amitié vient et fait bouler? Alors pour le cas qu'on est, c'est une librairie qui a une date plus de 25 ans, madame et tout le monde en communication a dirigé parce que nous pas faillit. Les gens ont besoin de bagages pour les familles qui ont joint en Haïti. C'est jeudi après-midi aux environs de 5 heures de l'après-midi. Moi je joue un coup de fil, mon dit me relais son son. Et puis de même qu'on est fait on son qui pénitentiaire national côté. Et nous avons correspondant, nous avons une relation avec le cadre de dossier famille. Mm-hmm. Et puis il me dit, son son policier, il dit non, ce n'est pas son son policier, c'est son son et chef gang, et chef bandit, mm-hmm. et madame Kolo en haut, bon madame Kolo en haut, la tête de madame Kolo. Mm-hmm. Et puis il me dit, bon, alors bon, la quoi plus précisément. Alors il me dit, monsieur Sorgue, monsieur dit, moi, ça m'arrive sur tout le monde dans la ville là. Mais moi-même, je ne peux pas arriver sur. Parce que je connais pour son avocat, pour rendre mon service, je dis à mon vaisseau, je dis moi, je 50 000 dollars. Je dis, monsieur, ça bien. Pour moi, je fais 3 mois, je ne jamais travailler, l'école est fermée, rien pas ouvert, et pendant que l'école est ouverte, tout va fermer, la librairie n'est pas ouverte, son librairie, côté, je ne joindre comme ça. Je dis comme ça, je ne vais pas parler en pile, non? Est-ce que je vais 40 000 dollars? Et vous parlez des dollars, vous comprenez? Mm-hmm. Et puis, je dis, monsieur, côté ma jeune comme ça, et puis c'est comme ça, il dit, bon, je ne vais pas aller en pile. Bon, 18 ans. Si vous ne pouvez pas sortir, ma poule est libre. Même côté à qui me fait 20, je vais aller madame, je vais aller quelques amis, juge, je vais aller. Ah, mon père qui a passé, mon qui était pas bon côté. Je dis, pas comment ça. Et puis, je vais aller à un agent, je dis, voilà, nous font déplacer. Et puis, il en fait déplacer. Et il était là 5h, 35h, 20. Tant pour 6h, on s'y crasse. Monsieur a trois bouches qui encore sous téléphone, il a les menés, dit, on mettrait les pompiers, oui, moi m'étais dit. On dit, bon, on dit qu'on s'en fait, ou pas même éteindre nos palais. Il dit, on mettrait les pompiers, on m'était dit. On dit, oui, même côté à côté, il me dit, tête là, on quitte, qu'on y a un rentre pompier. Pompier Carrefour, pompier Pétionville, pompier Delma, côté Mvoye Salié, on voit dans le cœur qui n'a jamais fini de suspendre par l'eau. Alors Carrefour, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, nous n'avons pas fatigué, bon dame qui est chef et service là. Décapé, nuit perdue, jour recommencé vendredi, nuit perdue, jour recommencé samedi, nuit perdue, librairie à poulet. Je regarde moi, premier étage prend, deuxième étage prend, troisième étage attaqué. Jusqu'à hier dimanche, monsieur Guerrier et auditeurs qui attendent des radios. Si ce n'est pas jamais en institution. Alors que moi-même, je n'ai pas dormi, faut que je mourir, parce que ça, c'est pas carré. Je ne sais pas si je son cabinet d'avocat, je n'ai pas de côté. Et puis, il continue à faire menace. Qui menace lui-même?
Ni dit me comme ça alors pour excuser l'expression radio a dit dit ouais j'aime le téléphone nous fait caca qu'on y a fait adresse caillou et me pas connait en bien avec mon nom nous on pas connait sur demander mon service et me pas rendre monsieur au service téléphone monsieur hein, c'est 34 63 64 49. Li voyez tout message au moment et ceci avec autorité sans manquer au retard d'autorité. Voilà monsieur Guerrier, voilà les auditeurs auditrices de la radio. Donc monsieur est agi et depuis prison hein, c'est dans pénitentiaire et pas dans prison. C'est-à-dire... Non, c'est pas l'été dans prison, non, même t'es connaît. C'est ton lot, pourtant les dîmes de Bolakwa, c'est chef bandit Bolakwa, c'est l'état à l'identifier. Qui est le chef bandit Bolakwa? Et à combien ou cas évalué perte ou fait la cher maître? Bonjour, son librairie, c'est un co-famille qui a dirigé. L'aime co-famille, hein, son librairie qui est allé à plus de 2 500 000 américains parce que mon yot est investi, c'est injecté, c'est metté, parce que nous pas fait faillite. Tout client yon toujours vle, le yon rentre la librairie, et même sous tende, l'autre côté, librairie yon plein, librairie a plein, ça veut dire nous profiter de tout le monde yon, c'est-à-dire qui aide nous, nos maisons yon, nous pas besoin de citer non yon pour yon ne pas faire jaloux. Yon, c'est une dame, prend un minute pour m'a dit la BSA, Henri Deschamps, pour m'a dit, Kawaz, pour m'a dit, librairie patience, ça et tout reste yon qui investit, comme yon pour même toucher, yon pour même yon, on goûte. À nous commencer les brillants quand on est à la seconde en minute comme ça. Dans mon un individu, on discute pour un pays, côté tout le monde en vie, c'est petit pour nous joindre tout le livre qui est dans l'institution à l'aéroatrie. On dit que les brillants ont gagné environ 25 ans d'existence et Pertio, on te dit, ou évalué jusqu'à présent à environ 1 million de dollars. 200 500 000 aller parce que son librairie qui vient 3 étages sans camper, son librairie qui sans camper. Donc on a un message là, c'est qui s'allie jamais. Mais ça moi mais qui s'allie non seulement ma société là, monde qui a dirigé société là, m'pas qu'on méchant, m'pas qu'on bandit, qu'on société pas ta cafette là bandit. Voyez Dieu sur moi, voyez Dieu sur l'autre Dieu, à savoir l'État. Même souvent, on caille seulement, même souvent, mon petit côté seulement, pour me mettre, pour me dire, mon yo, qui investit comme yo, mon grain côté, oui, même s'il vit, je n'ai pas de problème, je m'en dis l'État, ça seulement parce que je ne vais pas demander l'État bandit, moi-même, je ne vais pas prendre bandit, moi-même, je ne vais pas mettre bandit, et non, bandit, je ne vais pas qu'il existe, même si nous répétons, je ne vais pas connaître ce qui existe, je connais tout le monde qui a un bon cœur pour la société. Voilà, donc ça passait jeudi et on dit jusqu'à hier dimanche là, du feu a été toujours dans l'espace là. Exact. Mais même matin, on va parler du feu pas qu'à mourir. Ça veut dire qu'il y a un pays près de 25 nègres, la police campée avec nègres pour nous faire couronne. Mettez chaque bagaille, l'on sait, pour l'eau, pour joindre l'eau, pour le camper et puis pour pas avancer hier. Tout ça fait mal des nègres à bouler, nègres à bouler, pompiers, prendre du feu, tout côté réuni, sonne bloqué, ne fait pas qu'à mourir. D'accord. Non, hein. Rappelez-nous non, librairie HMR, c'est Dieu. Les librairies, Dieu de l'amitié, librairie bonne foi au numéro 72 en face ancienne loterie nationale. D'accord. Merci un peu, maître Jacques Michel. C'est vrai pour me dire merci, c'est moi qui vous dis merci, c'est moi qui vous dis tout auditeur, auditrice, belle vitrine Radio Caraïbes, merci. Merci pour PDG, merci pour tout le monde qui a dirigé, merci. Voilà. Maître Jacques Michel qui lui-même tape parlé avec nous sur.